...que se empeñan sí. a salir, chicos, y no sé si decir lo que quiere hacer el... Ven aquí, come no, with me, anda. No, 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 es muy pesado, no, no. es muy pesado, así no. que le voy a meter. What's your team? Yeah, my team Saudi Arabia. I, I have words to say to Mexico. Arabia, Arabia, Saudi. Arabia Saudi. Saudita. Okay. I have words to say to Mexico, Bebo. Tú quieres salir en México, okay. venga. Muy bien. Tomorrow you will play against Argentina. Please, Messi, kick him out. World Cup. Kick him out. Claro. Kick him out. Messi eh, Messi, fuera. Is, Messi Messi fuera. Chao, chao Messi. chao, chao Messi. Messi, chao. Andúlasco one cosco. Y a tu hambre. Ojasco one cosco. ¿Dónde Messi? Messi, Messi we'll <laughs> <laughs> what is Messi? ¿Qué son? That's mean Messi. <laughs> chicos, Y esto sin alcohol. Esto es sin alcohol. <laughs> 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 ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está no. Messi? No está. Ahí dice. Ahí dice. No. Ahí dice Messi. I don't know where is Messi. <laughs> bueno, chicos, esto es <laughs> sin alcohol, ya o sea, que imaginen. Aïe 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 attention au péché d'orgueil, attention au karma, monsieur les Saoudiens, parce que là, pour le coup, Messi, il est où Ben il est là Il est là On va revenir plus en détail sur le lutin argentin, sur le lutin de Rosario, sur Léo Messi, sur le match de l'Argentine, plus en général. Et commençons par les choses qui fâchent. La première mi-temps de l'Argentine, même globalement, on va dire, ce match avant que Messi ne décide voilà, de mettre les gaz. L'Argentine, honnêtement, ça fait peur. Là, ce que j'ai vu, c'est l'Argentine, d'avant la Copa América au même, l'Argentine qui laissait tout, en fait, à Messi. Tu avais l'impression que Messi était seul le monde, qu'il était, voilà, entouré de bouts de planches et que c'est le, le ballon, il passait par lui, donc il fallait que quelque chose se passe, sinon, bah, il se passait rien autour de lui. Mais c'était ça, en fait. J'ai revu la pire version de l'Argentine possible. Heureusement que Messi les réveille parce que ce soir, sinon ils prennent la porte. La dernière coupe du monde de Messi, mais lui, il voulait pas rentrer en Argentine ce soir. Lui, il a pris ses responsabilités, en bon capitaine qu'il est. Mais encore une fois, on va parler de lui un peu plus tard. Donc, je vais commencer par parler de Monsieur Aboubakar Al-Baghdadi. Dans une vidéo de 18 minutes, Aboubakar Al-Baghdadi s'adresse à ses combattants. L'enregistrement relayé hier par l'organe de propagande de l'État islamique montre son chef, Kalachnikov, à ses côtés, promettant de venger ses membres tués. Non, ça y est, au bout d'un moment, il va falloir qu'on parle de lui, parce que M. Rodrigo De Paul, c'est bien beau de faire le bodyguard de Messi, c'est bien beau de suivre Messi comme son ombre, d'être le garde du corps spécial de Messi, mais ça serait bien aussi de se rappeler que t'es joueur de football, parfois. Je sais pas. Parce que là, depuis la finale de la Copa América, je pense qu'il s'intéresse plus à son rôle de protecteur de Messi que de jouer au football. Maintenant, selon les supporters de l'Atlético Madrid, apparemment, c'est son niveau habituel. Moi, je regarde pas l'Atlético Madrid parce que bon, j'ai pas envie non plus euh, de regarder du catch à la télé. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir euh, rehausser le niveau, monsieur. Parce que là, le milieu de l'Argentine, il était catastrophique. Oh, tu veux aller où avec, avec des milieux qui savent pas faire des passes vers l'avant, des, des milieux qui veulent pas prendre de risques, des milieux qui veulent pas faire avancer le jeu, t'as l'impression que le ballon il brûlait leurs pieds pour le coup, je pensais que l'absence de Locelso n'aurait pas été si dramatique pour l'Argentine, mais je me rends compte de plus en plus bah, que Locelso, il manque énormément à cette équipe. Encore heureux que Enzo Fernandez il entre et qu'il te met lui aussi un golazo comme ça, mais lui il doit plus sortir du milieu de l'Argentine. C'est pas possible. C'est pas, pas possible d'avoir autant de joueurs neutres avec le ballon en fait. Di Maria sur courant alternatif. Hein, il réussit un dribble sur deux. Après, il s'en mêle les pinceaux. D'autre côté, tu as, tu, as, tu as tellement pas de présence sur le côté gauche que c'est Acuna, Acuna qui est censé t'apporter ce, ce, cette force offensive-là. C'est qu'il y a un problème quand même. Acuna qui doit marcher sur le tibia d'un adversaire pour centrer alors qu'il est en position de centre. J'ai jamais, jamais vu ça de ma vie. La première fois que je vois un mec qui s'apprête à centrer qui marche sur le tibia de son adversaire. Bref, il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui. Est-ce un problème mental Est-ce qu'il y a un blocage j'ai eu comme une sorte de voilà les fantômes du passé sont revenus après la défaite contre l'Arabie saoudite je ne sais pas c'est possible mais une chose est sûre c'est que lorsqu'on regarde un peu plus tôt le match l'Arabie saoudite face à la Pologne ça peut se comprendre un peu que le, le match face à l'Arabie saoudite, ce n'était peut-être pas un accident. C'est peut-être pas ce qu'on voulait. Ah bah, en fait, c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on a voulu croire en tout cas. Mais en vrai, peut-être que ce n'était pas un accident. L'Arabie saoudite, ils sont vraiment, vraiment très chauds. Mais pour le coup, aujourd'hui, l'Argentine, bah, la première mi-temps, ils étaient un peu dans le même état d'esprit. C'était assez lent, l'intensité était assez nulle. Bon, Le Mexique ne proposait pas grand-chose. Eux non plus, ils faisaient qu'essayer de balancer des, de l'embalance sur Irving Lozano et espérer des contrats. Comme ça, mais l'Argentine pour moi a manqué aujourd'hui de justesse. Ils auraient dû être beaucoup plus entreprenants pour le jeu parce qu'ils avaient le ballon, mais ils savaient pas quoi en faire. Jusqu'à justement l'ouverture du score du Léo Messi, Lionel Andrés Messi. That's it's the goat, the goat. <laughs> pour moi, cette image sur la célébration de Messi elle symbolise parfaitement le déroulé de ce match. Ça a quasiment été que ça durant toute sa carrière avec l'Argentine, sauf euh, durant cette, cette dernière, cette, ces derniers mois où il a été avec euh, ses coéquipiers en Argentine, ils sont allés chercher la Copa América, il y a eu un groupe qui s'est formé et tout. Mais là, pour le coup, on a revu le Messi qui portait l'Argentine dans les Copa América où il perdait et tu avais l'impression qu'il n'avait aucun soutien. C'était ça. Il fallait qu'il fasse tout. S'il ne marque pas ce soir, tu te dis mais comment l'Argentine le font Aujourd'hui, il prend le ballon, tu te dis... Il va pas tirer de là, quand même. Et si le mec qui te tire de, de l'extérieur de la surface, ça m'a rappelé un peu son but contre Manchester United en finale de Ligue des Champions. Il prend ses responsabilités et il débloque le, le, le match. Et depuis ce but-là, le match a été différent. On a revu pour le coup l'Argentine qu'on a vu avant le début de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette équipe, ça veut dire qu'au fond, elle sait toujours faire ça. C'était pas un accident. Tu passes pas 36 matchs euh, consécutifs sans perdre par pur hasard. Ça n'existe pas, ça. Pour moi, cette Argentine-là, c'est peut-être un problème mental. Certes, l'absence de le Celso pèse, mais c'est pas que ça. Pour moi, ça se passe également dans la tête. Parce que l'Argentine qu'on a vue après l'ouverture du score de Messi, bah, c'est cette Argentine-là, à cette Argentine-là qu'on s'attendait depuis le début de la Coupe du Monde. Ça n'a pas été le cas. Donc, on verra bien. Contre la Pologne, ça sera une finale, là encore. Parce que voilà, tu as ton destin en main de nouveau. Tu bats à la Pologne, tu es qualifié, c'est simple. Et honnêtement, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans vraiment appuyer sur Lionel Messi. Mais quel joueur! Quel joueur Mais il a fini le jeu. Il a fini le jeu. Il mérite une Coupe du Monde. Ah, bon Après, là, c'est le supporter en moi qui parle. c'est pas le mec, on va dire, qui voilà, analyse le match et tout. C'est le supporter en moi qui parle. J'espère Je, que Messi ira chercher cette Coupe du Monde parce qu'il le mérite. Mais si l'Argentine continue à avoir ce niveau de jeu, ça va être compliqué. Même s'il passe les poules, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment qu'ils se remobilisent et qu'ils repartent sur la lancée sur laquelle ils étaient avant le début de cette Coupe du Monde parce qu'ils ont les qualités pour... Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer, mais franchement Messi masterclass. S'il perdait ce match ce soir, il prenait leur avion pour rentrer en Argentine. Mais comme un bon capitaine, il a remobilisé ses troupes. Voilà. c'est En fait, il y a beaucoup de critiques. Il y avait beaucoup de critiques sur Messi par le passé en disant que ouais c'est pas un leader et tout, mais qui y a pas plus leader que ce qu'il vient de faire là. Là, leader avec le, le brassard du capitaine, c'est-à-dire leader vocal. On l'a vu durant la Copa América que c'est un vrai leader vocal. Mais là, c'est sur le terrain, le leader technique, un leader qui pousse les autres avec lui, qui tire les autres vers le haut avec lui, en fait. C'est ça un leader. Donc, franchement, merci, Léo Messi. J'espère pour toi que tu iras beaucoup plus loin dans cette Coupe du Monde. On se retrouve pour un prochain débrief demain, probablement pour l'Espagne. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.